Bonjour, je m'appelle Anna, j'ai 13 ans et j'adore lire, c'est pourquoi j'ai décidé de créer cette chaîne pour vous présenter mes coups de cœur lecture, mais aussi les livres que je n'ai pas aimé lire tout simplement. Donc on va commencer tout de suite avec ce roman qui est 7 jours pour survivre. C'est un roman de Nathalie Bernard, donc je vais vous parler un petit peu de l'auteur. En fait, c'est une écrivaine qui a d'abord beaucoup écrit pour les adultes dans le domaine du fantastique et ensuite elle a décidé d'écrire pour les jeunes. Donc voilà, récemment elle a écrit ce livre qui parle d'un sujet d'actualité parce que c'est l'histoire d'une jeune fille qui se fait kidnapper le jour de ses 13 ans et on apprend que le kidnappeur est réputé pour violer les jeunes filles le jour de la pleine lune. Donc voilà, c'est un très très beau livre. Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est que le sujet est quand même important, donc voilà, mais il n'est pas non plus déprimant, il y a certains passages drôles, donc ça c'est cool. Et j'ai aussi beaucoup aimé le personnage principal parce que c'est une ado gothique, un peu rebelle, mais elle est quand même super courageuse et super débrouillarde. Donc voilà, ça c'est super sympa et on ressent en fait les mêmes émotions qu'elle, et ça c'est ce que j'aime beaucoup quand je lis un livre en fait. Donc voilà. En revanche, ce que j'ai moins aimé, c'est que des fois c'est un peu simple pour les enquêteurs. Il y a beaucoup de coïncidences et c'est un peu dommage, je trouve. Mais c'est quand même un très très beau livre. Si vous avez le même âge que moi, je pense que ça devrait vraiment vous plaire. Donc bah voilà, foncez lire. C'est vraiment un très très beau livre. Et voilà, moi je vous fais de gros bisous et je vous retrouve bientôt pour un nouveau livre. Voilà, gros bisous!